La presse, bonsoir et merci parce que nous répondons présents pour capable couvrir le point de presse que PNH là a bail dans local li dans la direction générale après-midi. Nous avons deux points nous pour aborder. Survol zone sinistrée que le commandant chef PNH là a fait hier dimanche là dans le Grand Sud là. Et présentation comité suivi sous plan sécuritaire que Simon Sao nous est là, nous pourrons le présenter. Nous. Dimanche 22 août, commandant-chef PNH, M. Léon Chol, avec directeur central police administrative, IG Monès Auguste, directrice logistique PNH, qui c'est CP Ghislaine Désiré, et une délégation ambassade américaine, t'a fait un survol de Grand Sud pays, côté Yotal Gadi. Qui dégâts qui t'est causé. Survol a été arrivé fait avec appui hélico ambassade américaine. Zone délégation ça a été arrivé survolé. C'est pour être capable de faire une idée exacte des dégâts qui causé dans plusieurs zones qui reculaient. Il y a 8 communes et sections communales qui ont été arrivées survolées à très basse altitude. Dans le sud, Nip avec Gredas. Il y a quelques zones qui arrivent retenues attention commandant en chef là. Tankou, l'asile, Maniche, Arniquet, Capérin, Lécaille, Chambellan et la Tibolière. Zone ça yo, yo touché en pile, mais non yo pas cité trop par rapport à disposition yo ou bien gens yo reculé, pas trop monde qui fréquentait zone ça yo. Tankou, la Tibolière, c'est une petite localité. Et dans cette localité, l'État n'est pas présent. C'est l'Église avec la population qui est arrivée à construire tout ça qui est dans la zone. Tant que l'école, le dispensaire, le magasin, l'école couture, tout ça, les gens qui ont gagné, tout tombé plat à terre. Et il faut qu'ils recommencent pour qu'ils soient capables de rebâtir le bâtiment. Alors, la zone, le commandant-chef, prêtez attention, soutenu à toute zone ça, nous sommes cités là. Pour ça qui a un rapport avec sécurité, commandant PNH là, M. Léon Chol, décide de renforcer sécurité dans le Grand Sud pays là, encore plus. Il y a plusieurs unités qui dépêchent sur toute route là, en deux villes. Présence policière, non seulement ils peuvent aider à sécuriser le convoi, et vous apporté assistance à sinistrés. Vous avez assisté acteurs nationaux et internationaux qui viennent supporter la population Grand Sud. Nous avons fait songer, dans le dernier point de presse, nous avons ici, là, dans quelques jours qui sont passés là, dans ce moment-là, nous avons une disposition qui est prise pour quel que soit le monde qui peut aller rendre dans le Grand Sud, ouais, avec la police nationale et Koun, qui est le centre d'opération d'urgence nationale. Pour être capable de permettre de joindre la sécurité pour qu'on voie. Malheureusement, malgré nous te parler, il y a des gens qui sont arrivés pour prendre route pour compte. Il n'y a pas de gens qui t'a accompagné parce qu'ils n'ont pas demandé côté nous te dit pour aller demander des gens qui pour accompagner. Malheureusement, les gens sont arrivés victimes sur la route. Et n'a pas tiré attention tout le monde. Fais ça, nous demander nous pour nous faire, pour nous capables d'arriver à destination avec convoi. Nous pour aller dans le Grand Sud. Là. Dans l'idée, il y a un comité qui est composé de 5 personnes. Rive mette sous pied et le bureau est placé dans la direction générale. La majorité là-dedans, c'est les policiers. Yo a gagné pour faire coordination, pour capable sécuriser tout convoi qui pour aller dans le Grand Sud. Il a fait coordination pour acheminer dans le Grand Sud là, sous plan sécuritaire, tout convoi. Yo, quitte ça qui a sorti au niveau international et ça qui a sorti au niveau national. Parce que y a des gens qui sont sous terrain, qui ont écouté tout. L'équipe SATU a gagné pour faire coordination pour tous les policiers qui sont victimes dans le Grand Sud, là, ensemble avec la famille, pour capable de faire aide arriver joindre. Aide ça que les gens ont apporté dans le Grand Sud, là, sous une forme ou bien une autre, nous demandons nous. Pour yo contacter la police dans 122. N'a fait songer numéro ça, c'était numéro contact
pour tout cas kidnapping yon moun ou bien yon famille ta victime. Numéro ça li toujours pour tout zak kidnapping nou ta constaté. N'a utilisé le tout pour nous capables rentrer en contact avec équipe ça. Ab gen moun ki placé dans CRO pour prendre information que moun sa va bay équipe là et y a pas cheminer information à équipe là. Yo capable dil qui est là capable faire partie de convoi qui pral dans grand sud. N'a fait connaître que numéro 122 ça capable recevoir 14 appels en même temps. C'est que la li pa occupé sous relé ou ka font titan ou ka jeune l'eau qui prend pendant titan mais ou ka font titan nous relé encore ou a jeune un monde qui pour répondre. N'a fait connaître que déjà Scotland rivé mener 14 convois dans grand sud. Et chaque convoi ça yo te gen 11 véhicules pour pipiti à boyo. Tout véhicule ça yo rivé à destination. PNH la encourager tout monde contacter équipe ça pour li capable aider yo faire suivi pour sécuriser convoi yo. Et n'a pas tiré attention tout monde. Camion ou vle transporter ça ou vle. Voyez dans grand sud là, assurez-vous c'est un camion qui est en bon état pour pas bay reste convoi problème. Parce que si vous prenez n'importe camion ou remplir avec aide, li rive nan route, li bay problème, reste convoi li même pral obligé à camper tonne. Pour éviter ça, nous mande tout monde, camion ou vle pote convoi, assurez-vous c'est un camion qui en bon état. Koulia n'a présenté nous comité ça qui chargé pour coordonner sous plan sécuritaire aide qui destinée à grand sud là et nous a rappelé numéro encore, c'est 122. Et moun sa yo non seulement yo là pour capable faire coordination sous plan sécuritaire et yo là yo même tout pour faire suivi pour toute famille policier et policier qui victime dans grand sud là. Nous gagnons inspecteur général Joseph Smith Peyo, c'est lui même qui responsable équipe là. Nous gagnons commissaire divisionnaire Jeannette Bateau. Nous avons un commissaire divisionnaire Jacques Joël Orival. Nous avons un commissaire principal Pierre-Louis Kangé. Excusez-moi, divisionnaire. Et monsieur Yves Stark, qui est employé civil dans le PNH. C'est tout ça que nous avons pour nous partager avec nous. Côté, nous avons attiré l'attention de la population. Équipe ça qui là pour faire suivi pour yo pour pas négliger contacter la police dans 122 pour capable aider yo joindre aide pour sécuriser convoi yo pour aller dans grand sud. Merci nous toutes.